Et salut tout le monde, c'est Broudaf, bienvenue dans le 41e épisode de Pathfinder 2. On en était resté les fois précédentes sur un gros échec dans le combat qui va suivre. Alors, je vais réessayer une dernière fois, et après, si ça ne passe pas, j'ai pas 36 000 choix. J'ai regardé avant de relancer, je n'ai pas... Il y a un sort qui serait très pratique, c'est le sort de graisse, mais aucun de mes personnages là ne l'a. Ceux qui l'ont sont restés à la taverne. Donc la première solution, ce serait de repartir avec toute l'équipe à la taverne, changer les membres du groupe et réessayer. Ce qui permettrait également de nettoyer l'équipement pour éviter d'être trop lourd. Et ce qui permettrait de récupérer quand même certains bonus. Le second choix, ce serait de diminuer le niveau de la difficulté. Mais je préfère éviter parce que c'est un peu l'option de facilité. Quand même, hein. Et puis, le troisième choix, ce serait, si vraiment ça passe pas, de faire les deux. Mais on va déjà essayer celui-là, hein. Donc, on se met là, mais on a vu que le boss faisait vraiment extrêmement mal, hein, avec ses coups. Hop. Alors, tu vas revenir en arrière. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Vous trois. Vous maintenez la position pour le moment. Alors, tu vas là, je t'ai dit. Hop. Tu maintiens. Tu maintiens. Voilà. Ah bah, il perd déjà des points de vie. Ouh là 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 là. Voilà. Et il est déjà à moitié mort. Donc eux, ils vont se mettre à côté de lui, eux, ils vont bouger. Toi, tu vas nous faire un sort de guérison sur lui. Tu vas nous faire un autre sort que la guérison, soin modéré, voilà. Ensuite, toi, est-ce que tu peux nous jeter un sort de malchance. Pas pour le moment, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Toi, tu vas te guérir avec ta potion. Trop tard. Alors, hop. Tu vas nous faire un sort de main de feu. Voilà. Tu vas te guérir maintenant. Toi, tu vas nous faire, hop, un petit sort de soin. Tu vas nous refaire un sort de feu. Où est-ce qu'il est le big boss? Il est là. Alors, toi, tu vas nous le... Tu vas essayer de nous l'endormir. A priori, ça n'aurait pas fonctionné.
Alors, punaise, toi tu vas nous refaire, hop. Donc ça ne fonctionne pas. On va donc recharger. Alors, elle, j'avais vu aussi qu'il avait la possibilité d'avoir un deuxième sort. Donc, on va lui mettre restauration partielle. Voilà. Alors, on va essayer de ressortir. On va les ressortir. Par là, ça ira très bien aussi. Alors, par où on va aller? Sous-sol. Est-ce qu'on a été visiter cette pièce-là? J'ai pas l'impression, hein. Ici, il y a une porte, mais qu'on ne peut pas ouvrir. Bon, apparemment, ça se bat derrière. Peut-être par là, je crois. Je crois que c'était par... Non, c'était là. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir ressortir par là? Ce n'est pas dit du tout. Priori. Pas de sortie possible. Ouais. Et pourtant, on a vu qu'on pouvait a priori ressortir. Donc, on va aller prendre la deuxième sortie de sous-sol. Voilà, on va aller par là.
Pourquoi il n'a pas suivi lui? Que les justes trouvent la sagesse et les sages leur récompense. D'accord. Mais encore. Non, mais c'est là que je veux aller. Pourquoi ils n'y vont pas? Ils ont toujours le bonus. Ah. Petit combat, hein. Ah, je me fais attaquer des deux côtés, mince. Alors. On est toujours loin du level, hein. On est devrait creuser, on accourt à l'aide. Et les bâtards. Papa, maman, on a vaincu le labyrinthe, vous n'aurez pas vu ce jour, mais j'ai réussi. D'accord? Alors, ouais. On n'avait pas été voir ce qu'il y avait ici, de toute façon. Des drechtes qui apparaissent de partout. Bon, au moins, on les a eus sans trop de casse. Un tongi. Alors, qu'est-ce qu'un tongi? On va remettre ça par poids. Je pense que ça va être assez lourd. Voilà, c'est là. Exotique, d'accord, ouais, et ça se revend pas très cher alors que ça pèse relativement lourd. Bon. Donc ensuite. Cette faille profonde mène aux catacombes de la ville où vivent les bâtards. Oui, mais moi je voudrais pouvoir sortir d'ici. On va aller au deuxième étage.
Même si j'aurais bien aimé savoir si on pouvait pas mourir. Ah, une porte là. D'accord, donc on n'a pas le choix. C'est embêtant. Alors, n'y a-t-il pas moyen? Alors, donc là-bas, c'était le combat. Y a-t-il pas un moyen de ressortir d'ici quand même? Bon, alors, si jamais on n'a pas le choix, on va donc aller ici, sauvegarder et diminuer le niveau de difficulté, hein. Parce que faut, pour rappel, je joue en difficulté quand même relativement élevée. Et là, j'ai vraiment, ben, j'ai vraiment rien pour me défaire de ce boss, hein. Alors, on va sauvegarder au cas où. Option, difficulté. Donc on était. Je pense qu'on devait être en téméraire. On va faire ça, voilà. Hop. Voilà, on les a rendus plus faibles. Voyons voir ce qu'il en retourne. Donc lui, il va aller ici. Sheila, il va aller ici. E4, on leur dit de maintenir la position. Toi aussi. Toi aussi. Maintenir la position ici, toi tu vas la main, tu vas aller là, et toi tu vas aller là. Ils ont l'air déjà de beaucoup moins bien encaisser. Toi, tu vas faire un petit sort de soin parce que je pense qu'il va en avoir besoin. Voilà. Toi, t'es un peu trop loin, on va te rapprocher pour tes sorts. Tu vas faire guérison sur Sheila. Toi, tu vas nous faire encore
Tu vas te rapprocher un tout petit peu. Tu vas nous faire ça. Toi, tu vas nous prendre une potion. Voilà. Ensuite, tu vas nous guérir le héros. Toi, tu vas refaire une canalisation. Ici, qu'est-ce que tu pourrais nous faire au niveau 3? Voilà. Hop. On va essayer, mais... Allez. Ça y était presque. Mais là, c'est foutu. En fait, il faudrait juste que je me remette cette porte-là, je pense. Qu'il y ait moins de gens qui tapent. Et ça devrait être bon. On va juste vérifier avant que le niveau de difficulté... Hop. Voilà. Relativement plus faible. Donc le cheval, on va le mettre là. Si là, on va le mettre là. E4, on va les mettre là. Donc, vous maintenez la position. Vous maintenez la position. Déjà touché. Ouh la vache. Il a subi des gros critiques, hein. Donc, toi, tu vas commencer par faire un sort de guérison sur lui. Commence pas bien du tout. Donc toi, tu vas d'abord boire une potion. Toi, tu nous refais un sort de soin de zone. Toi, tu peux plus faire ça. 24 ou 8. Hop. Soin modéré. Voilà, toi tu nous refais un soin de zone. La vache, descend à toute vitesse, hein. Mais pour l'instant, ça tient.
Alors, hop. Alors, toi, tu vas nous faire un sort de guérison sur elle, voilà. Toi, tu vas nous faire ça sur lui. Alors, on dirait que c'est passé. Il reste que ces trois-là à tuer. Voilà. Et bah ça a été compliqué. On va sauvegarder tout de suite. Voilà, on va repasser le niveau de difficulté en ce qu'il était avant. Voilà. Alors, on a reçu une clé souillée. Ça doit être pour la porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir plus loin. Hop! Alors, pourquoi par contre j'ai ce truc-là? Alors, on va les... Voilà, on va les lire. Voilà, 32, lui c'est bon, elle c'est bon. Elle. Ah, je suis bien content quand même d'avoir réussi à faire ce foutu combat. Voilà. Lui, il est à fond. Donc, hop, on va prendre encore des petites potions. Pas parfait. Petite potion, voilà. C'est bon. Ensuite, la faux. Faux à la sombre lueur. Lorsque cette faux plus de touche un ennemi, ce dernier subit plus un des trois points de dégâts d'énergie négative et doit réussir un jet de réflexe pour éviter de subir un point de dégâts d'énergie négative par round pendant un des quatre rounds. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est mieux? Elle est moins bien que ma grande hache, ok. Même si c'est une plus 2. Donc ensuite, un harnois. Non, une armure de plaque, classe 8. Là, il y a 9. Le reste, ils peuvent pas la prendre. Une cape de résistance plus 2. Ça pourrait être intéressant. On va plutôt la mettre. Hop, voilà. Allez, là. Je m'étais trompé. Donc, ça, c'est la plus 2. Toi, hop. Voilà, t'as une cape de résistance toi aussi maintenant.
Mais pourquoi elle avait un cimeter? Oh là là. Alors, déjà on va te mettre Radiance. Voilà. Au cas où. Est-ce qu'on a trouvé mieux que Radiance? Donc ça c'est un cimetière, ça a deux mains, donc on n'en veut pas. Oh, oui. À 8. On va lui laisser Radiance. Alors, ensuite. S'il prend ça. Non, il peut pas prendre. Il pourrait prendre la morsure, mais la morsure fait beaucoup moins de dégâts. Faire ça comme ça, voilà. Est-ce qu'il aurait pas mieux? Non. Par contre, elle, on va peut-être lui mettre plutôt. Ces cimetières. L'épée longue de droiture. Voilà, ça fait un peu plus de dégâts. Et elle. Et elle, on peut lui mettre la radiance, hein. Voilà. Bon, alors, continuons. Forcément, ils sont tout lents. On va peut-être virer ça, par exemple, côte de maille. La chemise de maille. Coutille, alors la coutille, comment vous dire? Ça pèse lourd et ça vaut rien. Les lances, ça pèse lourd et ça vaut rien. Voilà, l'âge d'armes, ça pèse lourd aussi, ça vaut rien. Les dagues là aussi, on va les lâcher. Ça vaut 50 et ça pèse 30. Ça vaut 37 et ça pèse 40. Ah ben voilà, hop. Alors, hop, on loot tout, hein, comme d'habitude. Du butin, cool. Cuillère, un parchemin de dissipation de fièvre. Crocheter la serrure. Voilà. Et celle-là. Ah! On va voir ce qu'il y a dans
d'autres éventuellement de cachés ici. Et on ira ouvrir la porte secrète au prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir pu finir ce combat, même si j'ai dû pour ça diminuer la difficulté et que malgré ça, ça n'a pas été facile. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!